Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley. Donc c'est parti. Donc bah écoutez, voilà, il y a des petites choses à ramasser, on va ramasser. Voilà, on va aussi aller voir dans la grotte ce qui se passe parce que j'avoue que la dernière fois, bah voilà, on a été un peu pris au dépourvu. Donc je vais mettre ça à vendre, ça et ça. Ça je vais le garder, le fruit, parce que le piment on en a besoin pour le centre communautaire, pardon. Donc on a un courrier. Donc j'ai la gorge plus sèche que le désert calico. J'ai vraiment envie d'une bière blonde. Tu en as, la bière classique n'ira pas. J'ai besoin d'une vraie blonde. Pam. Donc on accepte, mais je sais pas comment on fait de la bière. Donc ma foi, on va essayer de voir un peu ce qui se trame. Donc il y a des choses sur lesquelles on s'est pas intéressé du tout depuis le début de cette aventure. Et il va falloir qu'on s'y intéresse. Donc graines sauvages et tout que l'on peut craft nous-mêmes. Ah ok. Donc les petites bombes et tout. Donc le fertilisant, on n'est pas intéressé, donc ce serait cool. Donc améliore légèrement la qualité du sol, augmentant vos chances d'obtenir des plants de qualité. Et ah là, ça, par contre, c'est intéressant. Ça permet de garder la terre humide après la nuit. Donc il nous faut de la pierre. Donc de la pierre, on en a pas mal dans les coffres. Donc on va se servir tout simplement. Donc c'est parti, la pierre. Donc il va falloir en faire pas mal parce qu'on a quand même pas mal de plantations. Non, c'est pas ça que je veux faire, je vais ouvrir ça s'il vous plaît madame. Alors, écoutez, on va en craft, hein, pas mal. Je pense qu'on a des champs quand même assez grands, donc c'est plutôt cool. Alors, tac tac tac. Hop, ça c'est fait. Alors voilà, on a nos fertilisants. Donc ma souris, elle se barre. Je ne sais pas ce qu'elle a. La voilà. Alors, non, pas le coffre, s'il vous plaît. Alors, on va prendre ça. On a juste à cliquer, ouais. Apparemment, écoutez. On va essayer de faire ça rapidement. Oh, on a notre petit toutou qui aboie. Donc, voilà, on va essayer de s'en sortir un petit peu, histoire qu'on progresse un peu dans notre ferme. J'ai bien envie de m'occuper du poulailler aussi, donc faut que je regarde parce que je crois qu'on a assez de gold pour... Hop, s'il te plaît, pose-moi tout ça, sois sympatoche. Est-ce que je prends le risque d'aller chez Pierre rechercher des graines? Non, je sais pas comment j'ai fait pour ouvrir tout ça, mais bon, écoutez, comme d'habitude, vous savez qu'Elo n'est pas la pro-gameuse. De la folie, de la mort qui tue. Y a plus rien? Ok, bon bah écoutez, on a mis une graine au pifomètre, c'est pas très grave. Donc ça on le pose là, ça j'en ai besoin pour le centre communautaire. J'ai plus de géodes à ouvrir, mais on va essayer d'aller récupérer notre arrosoir. Non. Alors on va rien prendre dans nos mains, écoutez, on va aller voir un peu dans la grotte ce qui s'y trame. Parce que c'est vrai que voilà, on n'a pas été dans la grotte. La dernière fois, Démétrius était venu nous voir pour nous dire l'histoire. Ok, on voit des chauves-souris passer. Y'a rien d'autre? Ça avait rien à me rapporter? Ok, je crois que ça va être la déception, les amis, là. Je crois. Il me semble. Alors, donc c'est parti. On va aller voir au niveau de Clint, voir si on peut récupérer notre arrosoir. Et si pas, bah, il va falloir qu'on s'adapte, clairement, parce que, bah, il va nous falloir ce qu'il faut. Attendez, j'ai pas pris mon bois et tout. Pour aller chez Clint, Non, chez Robin. Alors, si je dis pas de bêtises, il nous faut du gold, il nous faut ça, et il nous faut du bois. Donc, je pense qu'on devrait avoir assez sur nous, hein, clairement. On va aller voir un peu, mais je pense que ça devrait aller. Hop, pourquoi j'ai pris un charbon? What the fuck? Mais hey, les gens, je suppose que c'était du clic, hein. Dans les jeux, c'est pas possible à chaque fois. Hein. Hop, allez, c'est parti. On va aller voir notre petit Clint chéri d'amour. Non, je rigole. Je blague, bien évidemment. Donc, c'est parti. Hop. On ramasse ça. Écoutez, c'est toujours bon à prendre. Hello, apprends à marcher droit. Promis, je n'ai rien bu, les gens. Je suis dans un état tout à fait normal. Mais mon personnage ne veut pas avancer droit. C'est tout, c'est ainsi. Ainsi soit-il. Du coup, il faut descendre, pareil chez Clint. Il faut descendre. Tac, 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 tac. Allez, donc là on est devant chez Penny je crois, donc Clint c'est en bas le pont. Hop, c'est parti les amis. Bon, j'ai rien à déposer au niveau du hop du musée. Alors attendez, il faut que je prenne rien en main parce que sinon Clint va croire que je vais lui filer ça alors que pas du tout.
J'ai encore du travail sur ton matériel. Arroseur en cuivre, ça ne sera pas terminé aujourd'hui. Ah, flûte. Ok, merci, Clint. Oh, Clint vient de me décevoir. Je suis déception, les amis. Bah écoutez, il va falloir faire avec. Alors, on va aller quand même voir un peu s'il y a des choses à vendre là-bas. Hop. Bah écoutez, on va continuer à déblayer notre endroit, écoutez. Notre chez nous. Ah, yes, il y a des trucs à ramasser sur la plage. Donc, c'est plutôt bien. Hop. On a eu. Hop, un oursin. Ah, là, il y a un. Ah. Une caque. Ok. Donc, ça, je sais qu'il y en a pas 100% de communautaire. J'avais déjà tenté. Oh, bah, c'est plutôt cool, écoutez. On vient là, on va se faire un petit peu d'oseille et tout. On va aller directement chez Willy, vu qu'il est 11h. Donc, tac, il va rien se passer d'extraordinaire, j'ai l'impression. Donc, il va falloir attendre le lendemain pour récupérer l'arrosoir. J'ai un peu déception quand même. Ouais, un petit peu quand même. Hop, alors c'est parti. Hop, on retourne. Non, on va aller voir Willy. Clairement, il va falloir que je me mette à pêcher. J'aime pas. J'aime pas le concept de la pêche dans le jeu, là, comment c'est fait, mais il va falloir s'y mettre. Parce qu'on en a besoin pour faire le centre communautaire. Donc, à un moment donné, voilà, il va falloir retrousser les manches et faire, même si on n'aime pas trop. Hop! Salut Willy! Ah non, je voulais te vendre des trucs. Je peux rien te vendre? Ah si, d'accord. J'ai juste à cliquer. Ça, je vais le garder parce que j'hésite. Je sais pas s'il en faut pour son commentaire. Merci Willy, à la prochaine. Bye bye. Alors, c'est parti. Donc, on va aller voir au centre communautaire. Et en même temps, on va aller voir Robin, histoire de voir si on peut créer notre poulailler. Parce que c'est un peu pour ça que j'ai envie. Ça, c'est un peu ce que j'ai envie de faire, pardon, dans l'épisode. Histoire que l'on avance. Et on passerait peut-être chez Pierre quand même prendre des graines. Ah, j'hésite vraiment. On est au jour 10, enfin au jour 14. Donc, je me dis que voilà, on peut encore planter des choses. Après, on n'aura plus trop l'occasion parce que si ça prend trop de temps, on va avoir encore de la perte. Hop, le centre communautaire est là, c'est parfait. Tout simplement impeccable, on va dire. Hop! Salut! Ah, il y a un jumulos qui se promène. Hop! Alors, il me faut de l'ardisie. Donc ça, j'en ai pas. Donc ça, j'ai rien. Attendez. Et je suis pas folle, il me fallait bien un machin comme ça, là. Ah, quand c'est ouvert, c'est qu'on a déjà fait. Ok. Bah, il me semblait qu'il me fallait un piment pour mes quêtes. C'est quoi? Une mûre. Bon, bah Hello a craqué, je crois, complètement. Écoutez, ma foi, ça m'arrive souvent de craquer, j'ai envie de dire, hein, pourquoi pas. Alors, non, là ça c'est des trucs. Ah ouais, il va falloir vraiment masse choses. Il va vraiment falloir que. Ah si, voilà. Une tomate, une myrtille, melon sec planté, tout ça. Alors que là, il va falloir des trucs étoilés, ça va être un peu plus chaud. Et là, ok. Alors, tac. Donc, au niveau de l'aquarium, normalement. Il va m'attaquer, lui, non? Ok. Alors, une palourde, nanana. Ah, si, il me faut une caque. Eh. Alors, il faut mettre que 5 choses différentes. Ah, d'accord. Il faut pas tout. Ok, moi, bien. Ah, c'est pas ici, je crois, le truc. Ça doit être là-bas, je crois. Ici, qu'il faut mettre le truc que j'avais eu dans la mine. Hop. Yes! L'arme gelée et du quartz de feu. Donc ça, on l'aura peut-être dans les mines à force d'y aller, au plus en profondeur. Bon, écoutez, voilà, on va aller voir chez Robin, voir pour créer notre poulailler. Et après, bon, on va voir ce qu'on va faire. Peut-être qu'on ira à la mine, écoutez, parce qu'on a de l'énergie, on va pas récupérer l'arrosoir. Donc autant utiliser notre énergie pour avancer quelque part. Vu que la mine, bah voilà, il faut être au level 40. Voilà quoi.
En construire un poulailler, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on trouve le caleçon du maire. Donc ça, j'ai toujours pas cherché. Il faut que je collecte. Ah oui, en plus, il faut collecter du cuivre pour Mr. Clint. Alors, ouais, il n'y a pas photo, les amis. Alors, tac, tac, tac. Yes, on est chez Robin. C'est bon, les amis. On n'a pas loupé notre coup. Salut, Robin. Je clique, j'ai rien. Ah. Construire des bâtiments. Abri de quatre animaux, poulailler. Eh ben, on peut construire. Ah! Ah, vu que mes trucs, mon parcelle sont labourés, je peux pas le mettre où je veux. Ah mince, c'est ici que je veux le construire. Bah écoutez, on va le faire ici. Voilà! Donc c'est parti pour la construction du poulailler. D'accord, je commence les travaux à la première heure demain matin. Ok Robin, merci, à la prochaine ma poulette. Bon, bah voilà, on progresse. Donc on a le poulailler qui sera en cours. On accorde 2000 de gold, donc c'est plutôt bien. Ah, il y a Linus qui se promène là. Un jour, on va savoir à quoi servent ces petits totems là. Ah, écoutez, on va essayer de descendre encore 5 niveaux dans la mine. Voilà, j'ai envie de vous dire. J'ai mon épée. Ah, par contre, j'ai rien pour me régène. Ah, par contre, ça, c'est un peu bête, Hello. Ah, ça, c'est un peu idiot. Ah, ouais. Bon, écoutez, on va tenter, hein, j'ai envie de vous dire. Malheureusement, j'ai pas trop. J'ai pas grand-chose à perdre, on va dire. En plus, il faut qu'on avance au niveau de la guilde des aventuriers. Donc voilà, il faut limiter des mobs. Ok, alors, c'est parti. Il nous faut du cuivre, hein, faut pas oublier. Ah, par contre, les armes sont vraiment affreuses dans ce jeu. Je trouve ça nul. Mais vraiment. J'espère qu'un jour on va avoir une arme meilleure quand même. Parce que là, j'avoue que c'est consternant de voir à quel point on perd de la vie. J'arriverai jamais à descendre de 5 niveaux dans la mine. Vous voyez, c'est un carnage. Alors, soit vraiment c'est moi qui suis nul, les gens, soit vraiment c'est dans le jeu que c'est compliqué. À vous de me dire, je sais pas, vous êtes quelques-uns à regarder la série, mais vous commentez jamais. Donc, pourquoi pas donner votre avis et me dire, vous, si vous avez joué au jeu, comment ça se passe pour vous? Parce que clairement, j'ai l'impression d'être nul. Voilà, sur ce jeu. Très clairement. Tac. Alors, où est-ce qu'elle est l'échelle? C'est pas là. Je viens de passer là, je peux plus passer. Ah non, j'ai dû passer à côté. Alors. Ah! Allez! Viens là, toi. Allez! Allez! Je pense que la prochaine amélioration, ça sera la maison. Ah, on a une petite bombe, écoutez. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais écoutez. On a une. Par contre, je crois que j'aurais dû faire un autre choix que la chauve-souris, je pense. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Alors. Ah, il y a du cuivre. Allez! Ah. Ils sont plus sympas à éliminer que les slimes. Donc, je me promène quand même pour voir s'il y a des trucs qui traînent. J'ai vu qu'il y avait l'échelle à portée de main. En soi, je crois qu'à un moment donné, il va falloir que j'arrête d'affronter ces mobs. Il va vraiment falloir que je trouve une solution pour avoir du meilleur matos pour me défendre. Parce que là, je suis en mode galérienne. Alors, un gros rocher. Je pense qu'il va falloir aussi améliorer la pioche. Je me demande si on peut améliorer aussi les pétenez. Il faudrait que je teste, que je regarde ça chez Clint. Quand j'ai récupéré l'arrosoir. Bon, écoutez, je vois pas de cuivre, il n'y a qu'un slime et je perds de la vie bêtement avec les slimes, donc je préfère éviter, m'abstenir. Encore un truc volant, donc on va essayer de l'abattre assez rapidement.
Eux, je me fais pas de soucis pour me défendre, on va dire. Alors, clairement. Ah, il y a du quartz. Je prends. Alors, c'est pas le mob le plus dur, celui-là. Allez, hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se trame par ici? Hop. Alors, j'essaie de tourner mon perso. Mais des fois, il se tourne pas, je ne comprends pas. Hop, alors. Nice, on a l'échelle. Est-ce qu'il y a encore du cuivre qui traîne quand même avant? J'ai pas l'impression, il n'y a pas de caisse. Donc, c'est parti, on va aller au niveau 8. Ah. C'est rempli de slime ici. Allez, mourez. Allez. Allez, 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 allez. On meurt. Et que ça saute. J'avoue, j'aurais bien trouvé une carotte. Une carotte aussi, là. Les... Allez, j'ai pas envie de perdre toute ma santé, quoi. Enfin, ça me manquiquinerait, en fait, de me dire que, voilà, j'ai pas réussi à assurer. Et que je suis morte alors que j'avais de l'énergie, quoi. Enfin, que je suis tombée inconsciente, devrait-on dire. Parce que, à chaque fois, c'est Linus qui nous ramasse à la petite cuillère, on va dire. Hop. Genre, je suis une femme, j'avais peur, je suis tombée, quoi. Ça fait vraiment ça. Hein. En mode, c'est mon chevalier servant. Bon, il y a beaucoup de slime à cet étage, mais où est-ce qu'elle est, cette fichue échelle? Bah, elle est où, l'échelle? Je vois pas d'échelle, mais what? Je comprends pas. Faut que j'élimine tous les slimes. Bon, bah, écoutez, je préfère sortir, parce que je crois que sinon, on va décéder. Oui, sortir de la mine. Parce que ça sent la mort, cette histoire. Tac. Alors, c'est parti. Ah, il fait déjà nuit, hein, j'avais pas fait gaffe à l'heure. Allez, vite. On rentre à la maison. On retournera voir Robin un autre jour. Pour voir combien ça coûte pour la maison. Mais je crois que c'est 10 000 de gold, je crois, pour la maison. Donc, ce qui est assez énorme. Je comprends pas pourquoi ma barre des tâches se retrouve en haut au lieu d'en bas. Je comprends pas trop. Tac, alors. C'est parti, hello. C'est parti. Je crois que je vais jamais y arriver dans cette mine. J'ai l'impression. Je crois que ça va être le truc que je vais le plus galérer dans le jeu. Et la pêche. On compte en dire beaucoup de choses. Alors, c'est parti. Donc, on va aller dormir. Même si on n'a pas baissé beaucoup d'énergie. Il est tard. On va peut-être essayer de casser quelques arbres. Avant, histoire de voir un peu, de baisser un peu l'énergie, parce que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas l'arrosoir, du coup. Un peu déçu. Un peu beaucoup, même. Hop. Allez, on va essayer d'abattre quelques arbres. On a eu un gland. Mais MDR. Le truc que je galère le plus à avoir d'habitude, vous savez. C'est consternant. C'est consternant. Alors. Allez. On sort les biscottos. Hop. En tout cas, on aura le poulailler au moins. C'est déjà ça. Ça sera ça déjà fait, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu galère. Allez. Voilà. On aura descendu beaucoup d'énergie. Mais au moins, on se sera débarrassé de quelques arbres. Yes, il se fait tard, je sais. Ah, il est déjà 1 h du matin. Oh, je finis de casser ça et on va au pieu, les amis. Très clairement. Il y a des petites lucioles et tout. Enfin, c'est cute, je trouve. Ça, c'est cute. Hop. Oh, mon petit chien qui fait dodo. Oui, on va dormir, monsieur. Alors, niveau 5 collecte. Choisissez une profession. Garde forestier, le bois plus 25 ou... Probabilité d'obtenir 2 exemplaires d'un objet lors de la cueillette. Ah! Ah, c'est compliqué de choisir là, les amis. Parce que pour le moment, on n'a pas trop eu de choses à ramasser dans les buissons. Ah, on va prendre le bois en vrai.
Niveau 3, minage. On a une efficacité de la pioche. Ok. Bon, bah écoutez, on a progressé quand même. C'est pas la folie furieuse, mais au moins on a progressé. Donc on a eu 927. Ok. Avec ce qu'on a vendu, on n'a pas vendu grand-chose, je trouve. Alors, est-ce qu'on va pouvoir récupérer notre arrosoir aujourd'hui? Je l'espère, de tout cœur. Est-ce qu'on peut ramasser ça ou pas là? Non, pas encore. Un courrier encore. Alors, salutations Hello, nous sommes heureux de vous informer que votre ferme sera présentée la semaine prochaine dans la rubrique Étoile montante du Stardew Valley Tribune. Félicitations, nous sommes stupéfiés par vos progrès. Ok, on va passer dans un journal. La ferme est pas belle, parce que clairement on a ça là qui nous dérange. Et que en gros, bah, il faudrait que je dépense mon énergie à faire ça pour tout nettoyer et j'ai clairement pas l'envie. Regardez là, le peu que je fais, je me fail mon environnement, très clairement. Ouais, notre ferme est très belle, tout à fait. MDR. Alors, donc, on garde le slime, on garde ça précieusement. Ah, on a une géode, ça c'est bon à savoir. Par contre, on a une grenade du coup qu'on a réussi à avoir. Le pot de senteur, je ne sais pas pourquoi je garde parce qu'au final, bah, ça va nous servir à rien. L'ardisie, j'ai l'impression qu'il en fallait, non? Ah, je crois qu'il en fallait au niveau des quêtes. Je crois. Non, ça on va le garder. Alors, très clairement. Donc, est-ce qu'il y a de la nouveauté au niveau de notre grotte ou pas? Ou est-ce que bah j'aurais dû faire un autre choix? Parce que ça nous disait qu'on pourrait récupérer des fruits et tout, mais je vois rien qui collecte dedans. Je suis un peu déçue en vrai. Alors, ça c'est quoi déjà? Quoi que ce fût, c'est maintenant en ruine. Ouais, très bien, mais est-ce qu'on peut le rebâtir? Comment on fait pour le rebâtir? Alors, on va déblayer un peu tout ça. Alors, on va nettoyer ce qu'on peut nettoyer. Alors, histoire d'avoir un petit peu de place. Je comprends pas pourquoi au bout d'un moment ils disparaissent pas plus vite ces petits. Fertilisé là où on a bêché quoi, labouré. Hop, hop là, c'est parti. Alors ça on va l'enlever clairement. J'ai pas envie que ce soit collé au petit. Je pense qu'il va peut-être falloir faire une clôture autour. Je sais pas trop comment ça va se passer pour avoir les animaux. Il va falloir certainement aller voir à la ferme en bas pour acheter des poules. Alors voilà, on va vraiment découvrir et c'est assez fou. Alors ça va disparaître. Hop, ça également. Hop, voilà. Donc c'est mignon, il y a des petits papillons et tout, mais voilà. Hein, ça s'arrête là. Donc ça, tac, on a un gland en plus, donc c'est plutôt bien. Ça, j'ai dit que je le gardais. Maintenant, la géode, bah, on va retourner voir Clint. Ah oui, c'est ça qu'il nous fallait surtout, c'était du cuivre. Ah oui, pour la quête de Clint. On a plus la quête de Clint au moins. Oh, je suis dégoûtée. Ah oui, on a plus la quête. Flûte. Bon, bah écoutez. Hop. Donc on va aller revoir Clint, histoire de voir si on peut récupérer notre arrosoir, j'aimerais bien. Histoire que l'on puisse progresser au niveau de nos plantations pour pouvoir avoir du rendement, quoi. Parce que c'est cool, on a 30 000 de gold, mais à un moment donné, il va nous falloir 10 000, donc il va falloir sévère quelque chose, quoi. On est le 15, donc le 17, c'est l'anniversaire de lui. Alors, je cherche quelqu'un pour m'apporter 30 minerais de cuivre. Eh ben... Moi je veux bien. Ah, faut que j'aille les collecter, c'est ça qui est galère. Alors, eh ben on va devoir retourner à la mine, écoutez, je suis désolée, mais c'est comme ça. Hop! Alors, on descend là, le pont est là-bas. Est-ce qu'on va récupérer notre arrosoir? Ou pas? J'espère. Nous espérons, parce que là, j'ai pas un, ça me saoule parce qu'on perd du temps au niveau de notre agriculture. On a notre arrosoir! Ah, j'ai hâte de voir s'il va y avoir du rendement. Tac. Améliorer outils. Ah non, on peut faire arrosoir et hache.
Ok. Pioche en cuivre et ou en cuivre. Ok, donc on a encore deux systèmes à améliorer. Après, ce sera de l'acier. Ok, ça marche. Donc, on va aller. On n'a pas le choix. Voilà la mine. Ah, mince, attendez. J'ai pas ouvert la géode. Oh, je le ferai après. Écoutez, on va se contenter des étages que l'on a déjà fait. J'ai pas envie de m'affronter spécialement aux mobs. Là, je veux vraiment mes 30 cuivres pour pouvoir faire la quête avec Clint parce que ça va nous rapporter de l'argent. Et comme ça, dès qu'on rentre à la maison, on arrose, tout simplement. Voilà. La suite, ouais, c'est améliorer la maison, je pense, pour avoir une cuisine. Parce qu'il y a des choses à crafter et tout, apparemment, à faire. Au niveau du centre communautaire. Alors, tac, tac, tac. Et pour améliorer la maison, il y en a pour 10 000, je crois. Alors, ça va être chaud. Ça va être très, très chaud, les amis. Et encore une fois, je vais dans la mine sans avoir à bouffer. Mais oui, tout à fait normal. Alors, moi, je vais juste descendre à l'étage classique. J'ai envie de ramasser mes 30 cuivres. Et c'est tout. Alors, du cuivre, s'il vous plaît. Non, pas de cuivre. Pas de cuivre. Non, pas de cuivre. Ok. S'il vous plaît. Je veux une échelle. Ah, on a eu du charbon. Ça, je dis pas non. Ah, on a une autre géode. Ah, yes. Échelle. Ah, échelle et Géminos. Wouhou. Ceux que j'ai pas envie de croiser. Je sais pas franchement s'il y a des armes plus efficaces que ça parce que c'est... L'épée est infâme. Elle fait pas de dégâts. C'est juste affreux. Je la déteste cette épée. Mais vraiment. Allez! Mais allez, s'il vous plaît. Hop. Ok, donc l'échelle est là. Est-ce que je peux, c'est du cuivre? Yes, on en a eu qu'un. Bon. J'aurais bien voulu en avoir plus, s'il vous plaît. Yes. Bon, du bois. Ça ne sert à rien. Ah, on a une autre géode en plus. Écoutez. On doit rater des trucs rares. Sait-on jamais. Ah. Pourquoi j'ai pas de cuivre, mon sang, dans les étages où je vais? Ok, on a quand même une géode. Donc eux, ils sont assez faciles à buter. Y a pas de caisse. On descend, on évite les Géminos. Hop, c'est parti. Donc là, on a encore du cuivre. On prend. Hop. Allez, c'est parti. Là, il y a encore du quartz. C'est pas ça qu'il me fallait. L'améthyste. Non, c'était pas ça. Alors, tac. On a encore un cuivre. Ah, j'ai presque plus d'énergie. Déjà? On a quand même un améthyste. Bah, pourquoi on a autant d'améthyste d'un coup? C'est un peu bizarre, non? Pourquoi on a autant... Ouais. Pourquoi d'un coup, les amis? Je comprends pas. Alors, on a eu que 5. Wow, il va falloir revenir plusieurs fois à la mine. Allez! Nice, on a eu pas mal de trucs de slime là. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Allez, allez. Je suis un peu déçue parce que voilà. J'avais pas. C'est vrai qu'on avait cassé un peu les trucs à la maison, donc automatiquement. Alors, on n'a pas vu l'échelle. C'est vraiment un micmac sans nom hein, de descendre là-dedans. Sortir de la mine. On va utiliser l'ascenseur. Hop. Je trouve ça vraiment galère de progresser dans cette mine, c'est horrible.
Oh là là, c'est affreux. Allez! Mais je les trouve vraiment affreux, ces trucs! Je sais pas vous, mais moi j'en ai marre de ces trucs! Mais mourez, bon sang! Ok. Je pense que là, on devrait avoir peut-être nos 99 slimes pour la quête au niveau du centre communautaire. Ce qui est galère, c'est que dès qu'on a l'épée en main, on peut pas pivoter. Donc au final, c'est pas du tout optimisé pour tuer, quoi. C'est un peu merdique. Il n'y a pas de cuivre, mais c'est pas vrai. Mais est-ce que je vais avoir du cuivre un jour quelque part ou ça se passe comment alors? Ah, c'est l'étage où j'ai galéré la dernière fois, ça. Bon. Ouais, bon. Moi, je sors de là, clairement. Je fuis. Ça me gonfle. Très clairement. Bon, allez, on repart à la maison. On a notre arrosoir. Il va falloir qu'on arrose nos plantations, histoire que ça progresse. Parce que si on n'arrose pas, eh ben, on perd une journée. Donc, c'est un peu galère. Donc, c'est parti. Hop. On va passer par là. Tac, tac, tac. Bon, on n'a pas eu de chance dans cette grosse mine, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal. Ça va nous prendre un temps fou de descendre. Hop là, donc par là, par là, par là, c'est ça. Non, allez, avance, avance. On perd masse énergie à combattre en plus dans la mine et c'est horrible parce que bah. Le nombre de coups qu'il faut mettre pour pouvoir réussir à les tuer, c'est affreux. Hop, allez, on continue tout droit. C'est parti à la maison. Tac, 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 allez. Alors. Je vais le garder la métisse parce que clairement, je ne sais pas trop quoi il pourrait nous servir. On a 4 géodes. Donc c'est plutôt bien. Non, l'arrosoir, je. Non, l'arrosoir. Ça. Ah non, on en est loin. Purée, on n'a même pas encore 50. Wouh! Bon alors, les amis, j'arrose rapidement et je vous retrouve après. Alors, les amis, c'est parti. Donc, tout simplement, j'ai tout arrosé. J'ai dû utiliser quelques petits trucs pour pouvoir arroser. Mais bon, voilà, rien de bien dramatique. Alors, qu'est-ce que l'on a gagné au cours de cela? Rien, ok, on n'a rien vendu, etc. Et on n'a rien gagné en compétences. Alors les amis, donc voilà, il y a 2 journées de passé. Je pense que l'épisode durera bien assez longtemps. Mais voilà, la ferme progresse, on est plutôt bon. Donc voilà, Robin a commencé son travail. Donc on aura un poulailler d'ici peu de temps. Bon, je vous laisse là pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le suivant. Et demain pour une autre vidéo. Portez-vous bien les amis, à demain. Bye bye à tous.